Ce qui a été très dur à l'adolescence, ça a été de basculer dans ce monde des personnes en situation de handicap du jour au lendemain et donc de vivre une société qui désormais décidait de ce que je devais faire, de ce que j'étais capable de faire. Et c'était absolument terrible. Moi, j'avais juste envie de vivre ma vie. Et finalement, le sport m'a permis de m'affranchir de tout ça et de devenir la femme que je suis actuellement. J'aurais pas eu ce caractère et cette force de vivre si j'avais pas eu la chance très rapidement de refaire du sport. Et ça, je le dois à mon entourage, je le dois à mes parents qui n'ont pas jugé mon choix et qui m'ont accompagnée. Je le dois à mon entraîneur qui a cru dans ce défi. Je le dois à ma prothésiste qui connaissait absolument pas les prothèses de course quand on est allé la voir, mais qui s'est dit « cette gamine, elle a envie de réaliser un rêve, et ben, je l'ai accompagnée ».